Yo tout le monde, ici HTGD76Gaming, on se retrouve sur Lord of Nazarick de la licence Overlord Gacha Game que je vous ai présenté il y a quelques jours. C'est la seconde vidéo que je fais sur la chaîne et je vais un petit peu vous expliquer les petites astuces pour monter de niveau, bah déjà votre niveau principal, les personnages, les personnages qu'il faudrait peut-être essayer de choper en priorité et puis aussi les différents modes qui pourraient vous intéresser et qui vont vous permettre quand même d'avancer dans le mode histoire. Et on va jeter un petit coup d'œil sur le nombre de rerolls que j'ai fait pour tomber sur le compte le plus intéressant. Allez, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et à mettre ton plus beau pouce bleu pour améliorer le référencement de la chaîne. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire Donc, au niveau du reroll, alors, vous allez quand même halluciner. Donc, voici tous mes rerolls. J'en suis à... Euh, voilà, les premiers, je n'ai pas pu faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je continue encore. Je continue encore. Pour l'instant, le seul compte le plus intéressant, c'est le 83. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, il faut remarquer qu'il y a quand même pas mal de problèmes sur Bluestacks et LD Player. Je ne sais pas. Avec les émulateurs Android, ça a tendance à cracher à certains moments donnés, surtout sur la map du monde. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des baisses de frame rate. Par contre, sur tablette et sur téléphone portable, il n'y a... Aucun problème. Le jeu fait à peu près presque 8 gigas. Donc euh, voilà, allez, on va rentrer directement sur le compte. Donc vous allez voir, ça rame un petit peu hein, quand même euh, sur émulateur. Là, je suis sur LD Player. Et c'est vrai que à chaque fois que je fais un tutoriel et que je commence à rentrer dans la carte du monde, paf, allez, ça plante. Et euh, je suis obligé euh, de couper euh, l'émulateur et de le relancer. Mais euh, voilà, c'est pas vraiment stable. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le jeu n'a pas l'air si gourmand que ça. Mais euh, je ne sais pas, peut-être un problème d'optimisation. Et puis, pourtant, les émulateurs sont bien mis à jour. Donc, nous sommes sur le menu principal. Comme vous pouvez le voir, je suis au niveau 35 et c'est le niveau le plus intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est très difficile de faire du reroll en sachant qu'il y a quand même certains personnages qu'il faut privilégier. Vous allez voir que ce n'est pas forcément ceux que certains ont mis en avant. Mais vous allez voir que le niveau 35, plus tard, je vous expliquerai que c'est un niveau le plus intéressant. Alors, comment monter de niveau Ce n'est pas sorcier. Il suffit d'avancer dans les différents, euh, ici, hein, dans les différentes icônes qu'il y a là. Euh, à un moment donné, quand vous êtes bloqué, eh bien. Ne dépensez pas stupidement vos endurances parce que j'ai vu des lives Twitch et tout ça où les mecs faisaient n'importe quoi, ils lançaient des raids parce qu'on peut faire des raids au niveau euh, farmer de l'XP, euh, des reliques et tout ça, mais c'est une erreur parce que si vous faites déjà un stage qui est déjà terminé, vous allez gagner que 20 d'XP là où vous pourrez en gagner plus si vous faites autre chose. Pareil, le meilleur moyen d'XP votre compte. C'est tout simplement faire les daily quests. Voilà, les daily quests, vous en avez un sacré paquet. Vous pouvez gagner jusqu'à un ou deux niveaux. Je pense maximum par jour. Et encore celui-là a été ajouté. Et vous avez des moments où vous pouvez vous connecter et récupérer de la stamina. Là, vous avez des pièces, vous avez de la stamina et vous avez euh, des cristaux. Et après, ici, euh, je ne sais pas euh, à quoi ça sert. Je pense qu'il faut fermer des choses. On peut peut-être gagner de l'XP, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, privilégiez les daily tasks, hein, les daily quests, comme on peut appeler, tous les jours. Alors, le reset, je ne sais pas à quelle heure que c'est, mais privilégiez ça. Et ensuite, quand vous aurez fini ça, avancez un petit peu dans le mode euh, histoire ou je ne sais pas un petit peu tout ça. Ensuite, vous le savez, votre niveau de votre compte montera. Euh, enfin, le niveau de vos personnages augmentera en, par rapport à votre niveau de compte principal. Donc si vous avez un niveau 35 sur votre compte principal, eh ben, vous pourrez monter vos personnages niveau 35. Vous allez voir, je ne vais pas le faire là immédiatement. Hop, je sélectionne. Voilà. Tac. Et la soigneuse là pour l'instant et hop voilà comme ça mes personnages niveau 35 ça vous le débloquez très très rapidement le fait de monter euh, les personnages que vous sélectionnez <coughs> au lieu de les faire manuellement donc moi j'ai eu de la chance donc sur le portail euh, de démurge et puis de evil eye j'ai pu avoir la chaltier euh, bouclier très très bon personnage hein. Un... c'est pas le meilleur tank c'est pas le meilleur tank mais franchement, elle fait le café, c'est vraiment un très très bon personnage que je vous recommande euh, d'obtenir. Vous allez voir que les personnages euh, les meilleurs personnages du jeu ne sont pas forcément des DPS. Vous allez voir que c'est souvent des personnages qui protègent ou qui absorbent les dégâts. Ensuite, Evil Eye bien sûr, très bon personnage AoE, mais vous allez voir qu'il vous faudra quand même des personnages euh, comment ça s'appelle Il vous faudra des personnages single target et pas forcément que des personnages AOE. Et là, l'erreur du portail avec des murs, ce sont deux personnages AOE. Donc ça, ça peut poser un petit peu problème dans certains combats, surtout dans les combats de boss, où vous allez vous avez des, euh, des petits... Euh, des petits euh, ennemis qui sont sur le côté une fois que vous les avez tués vous êtes tranquille mais après si vous faites que des attaques à OE sur le boss ça va être un petit peu compliqué vous le savez très bien que sur les attaques à OE, ça fait moins de puissance que sur les attaques single target ensuite vous avez la albedo que vous avez obtenu au début du jeu vous allez pouvoir euh, la booster c'est pareil c'est un personnage à OE aussi donc c'est franchement c'est ouais c'est un petit peu compliqué dans le jeu ensuite vous avez pour l'instant la meilleure soigneuse et SR du jeu que vous est offerte au tout début, elle fait le café, c'est pas la meilleure soigneuse, vous allez voir qu'il y en a une meilleure, mais elle fait quand même le café. Et ensuite, on a Chaltir SSR, vous avez deux façons de l'avoir, soit vous invoquez, soit tout simplement, vous pouvez l'obtenir en faisant n'importe quel achat dans le jeu. De préférence, je vous conseille de faire l'achat à 1€ euro si vous voulez un petit peu dépenser, mais ne dépensez pas plus dans le jeu parce qu'on ne sait pas combien de temps le jeu va durer sur la longueur. Donc euh, voilà, Chaltier est quand même pas mal et en plus il fait des attaques single target, donc vous pouvez l'obtenir en invocation et vous pouvez l'obtenir euh, si vous faites le premier achat dans le jeu. Voici un petit peu pour l'instant la box que j'ai, c'est la meilleure box que j'ai pu avoir parce qu'à euh, chaque fois que je faisais des rerolls, je faisais des bêtises et justement je vais vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire comme moi on va aller sur les portails sur les différents portails alors attention moi les portails que j'ai j'en ai beaucoup qui ont été ajoutés parce que quand vous avancez dans le jeu vous allez débloquer euh, des portails cartes support voilà ça vous allez en avoir besoin ça va booster les stats de vos personnages on, y, on ira voir ça euh, tout à l'heure tout d'abord on va commencer par le portail euh, débutant le portail débutant vous garantit un personnage au choix et les personnages, il n'y en a pas des masses et des masses de bien. Moi, de ce que j'ai pu voir, vous avez Cocytus qui fait des dégâts AOE, qui fait du saignement et puis qui peut soigner, qui peut être un très très bon support. Il a de très très bonnes stats au niveau HP, défense et attaque. Pour l'instant, c'est le premier que j'ai pu voir dans le portail débutant qui peut être excellent. Ensuite, il y a des gens qui aiment bien Aura. Aura est un très très bon support. Vous voyez les stats et tout ça euh, vitesse, HP, défense et puis attaque. C'est un single target, euh, poursuite, et euh, fait plusieurs dégâts. C'est un très très beau personnage. Bon, dans le tuto, vous pouvez un petit peu voir ce qu'il donne et tout ça. Il peut être pas mal. Euh, ce personnage-là, Sébastien, j'en entends pas beaucoup parler, honnêtement, donc je ne peux pas vous le conseiller. Euh, la mer, pareil, mer, apparemment c'est une très très bonne DPS, mais honnêtement... Euh, je l'ai vu très très rarement, euh, je vu très, très rarement dans, dans les games et tout ça. Alors, je crois qu'elle peut soigner, non Ouais, elle peut soigner. Tiens, je ne savais pas ça. Tiens, ça c'est un truc que j'ai découvert. Je ne savais pas qu'elle pouvait soigner, mais ce n'est pas des soins maximum. Quoi. Ensuite, vous avez Gazef. Alors, certains me disent que Gazef est bien. Il y en a certains qui me disent qu'il est pas terrif. Qu'il est pas terrif. Hein, qu'il n'est pas terrible. Donc, en tout cas, le choix que je vous conseille de faire... Plutôt Cositus en premier et ensuite euh, Aura. Voilà. Honnêtement, dans le portail débutant, si vous voulez mettre, vous avez juste une multi à faire. Bon, c'est les tickets quand même violettes. Donc attention quand même parce que les tickets violettes peuvent avoir une autre utilisation. Ensuite, vous avez le portail de la. Euh, comment ça s'appelle euh, J'ai oublié, oublié son nom, c'est incroyable ça. Euh, de Albedo. Alors, c'est une différente Albedo de celle qu'on a en SR, qu'on peut monter en SSR, et de la Albedo Armure. Donc, celle-là fait des single euh, attaques, elle fait de l'assist et puis elle fait du burst. De ce que j'ai vu, en général, elle est assez moyenne. Elle est assez moyenne, elle, elle tape, mais elle est moyenne. Donc, honnêtement, je ne vous recommande pas d'aller invoquer sur ce personnage-là. Franchement, vous pouvez trouver mieux. Après, peut-être si vous la boostez un petit peu au niveau des stats, elle peut être meilleure. Ensuite, au niveau du portail, vous avez la possibilité de choper de très très bons personnages. La Albedo, par exemple, SSR, c'est l'une des meilleures euh, comment s'appelle euh, support, puisque elle peut encaisser les dégâts. Donc, elle fait protection, elle fait armure, et puis elle peut faire contrôle. Donc, celle-là, si vous pouvez l'obtenir, franchement, vous avez un très très bon début de compte. Donc, vous avez vu protection et puis armure. Ensuite, vous avez Momon. Momon qui est quand même pas mal. J'en entends un petit peu parler. Ce n'est pas vraiment le plus recommandé, mais ça reste quand même un bon personnage si vous pouvez l'obtenir. Chalkirs, où vous en ai parlé, elle est quand même pas mal. Ensuite, vous avez l'une des meilleures soigneuses du jeu en SSR, c'est Rainer. Si vous avez Rainer, et ben franchement, je vous le dis, en vitesse de soin et tout ça, elle est vraiment meilleure que celle qui est. Et ça, bon, de toute façon, ce n'est pas... C'est logique, hein, c'est logique. Mais vraiment, si vous pouvez obtenir ce personnage-là, eh ben, franchement, vous êtes très, très bien. Parce que pour l'instant, actuellement, c'est la meilleure soigneuse euh, euh, SSR du jeu. Ensuite, bon, Dimurge, des des murges, très, très bon personnage à OE qui fait des dégâts de brûlure et tout ça, contrôle. Mais voilà, c'est bien pour une team AOE, euh, mais pour une team single target, ça peut poser problème. Au moins en avoir un dans votre team quand vous faites les combats de boss. Vous en avez au moins un qui fait des dégâts au eux. Après le restant, vous faites quand même des dégâts single target. Déjà, vous pourrez vous débarrasser rapidement des mobs sur le côté. Et surtout faire des dégâts assez rapidement sur le boss. Ensuite, euh, vous avez Sheltier. Sheltier aussi, je vous l'ai dit, c'est l'une des meilleurs personnages support aussi. Un peu moins puissante que la albedo armure. Mais néanmoins, elle fait quand même du armor breaker. Et puis, elle peut... Euh, je crois que euh, sur son passif, je crois qu'elle fait... Euh, Qu'est-ce que je dis Je crois qu'elle prend les dégâts, je crois. Ouais, c'est ça. Un debuff qui transfère une part des dégâts subis par la cible, par celle qu'elle a, qu a partagée. Donc, elle partage les dégâts. Donc, elle, franchement, moi, quand je l'ai eu au premier, je dis, vas-y, je garde le compte direct. Ensuite, vous avez Platinum Dragon Lord Armor. Alors, lui, je le vois partout. Je le vois partout dans les teams, que ce soit en PVP, euh, que je vois aussi dans les vidéos de gameplay ou des trucs comme ça. Tout le monde recommande d'avoir ces personnages-là. Je crois même qu'il est meilleur que Albedo Armure. Mais en tout cas, avec Albedo Armure, ce sont les deux personnages euh, support qu'il est recommandé d'avoir dans, euh, dans votre compte. Franchement, ce sont les deux meilleurs. Alors, il ne fait pas beaucoup de dégâts, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des personnages qui sont là pour tanker la team. Et ces deux-là, avec Albedo Armor, ils font vraiment. Euh, je suis là pour que je dis Armor, c'est ceux qui font vraiment le café. Lui, Pandora's Actor, il n'est pas terrible. Franchement, je ne vous le recommande pas. Déjà, il a une tête chelou. Et Gazef, bon, Gazef, voilà, on a vu. Donc, franchement, sur le portail d'Albedo, vous avez quand même de très, très bons personnages, quand même. Donc, il y a de quoi faire. Donc, là, par contre, il faut des bouquins. Donc, les bouquins, c'est pareil. Pour les obtenir, vous les avez euh, en, avec des diamants euh, ici. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ouf d'aller invoquer euh, sur ce portail-là. Je vous ai fait juste le topo du portail de ce qui avait disponible. Ensuite, sur ce portail-là, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on se retrouve avec deux euh, personnages euh, AOE. J'aurais bien voulu avoir un personnage single target. Vous le savez, vous pouvez sélectionner un euh, que vous pouvez avoir en garantie. Hein, donc, euh, ce n'est pas forcément obligé d'avoir euh, à la l'appétit. Vous pouvez l'avoir avant. Et dans ce portail-là, c'est là que j'ai eu la Chaltirs euh, armure ici. Donc, forcément, très bon personnage. Euh, ouais, elle, c'est bon. Elle, lui, ça peut le faire en AOE et tout ça. Meilleure soigneuse. Positus aussi, si tu peux le choper là-dedans, excellent. Et puis, euh, lui, là, vraiment, les deux, là, franchement, ce sont les deux personnages qu'il faut choper. Et en plus, ça tombe bien, elle, elle est bleue et lui, il est vert. Donc, si vous pouvez même avoir les deux, franchement, vous allez avoir une team qui va tanker de ouf. Et n'oubliez pas quand même d'avoir au moins un soigneur et un DPS. C'est quand même important. Mais vous allez voir que vous allez devoir euh, bien varier vos teams sur certains combats parce qu'il y a des boss, à un moment donné, à un certain niveau, ils tapent extrêmement fort et puis là la bêtise que j'ai faite à chaque fois que je, je faisais une un compte un reroll j'invoquais directement ici parce que je me suis dit il y a euh, les cartes comme ça alors pour obtenir des cartes comme ça déjà pour avoir des bagues il faut convertir les diamants les diamants en bagues et ensuite après si tu veux avoir des cartes comme ça il faut convertir les bagues en en ces cartes là, donc ce qui est là c'est assez compliqué, mais néanmoins je me suis dit parce que moi directement quand j'ai été sur celui là, je me suis dit oh, wow, les persos de ouf qu'il y a dedans, c'est exactement le même nombre, c'est exactement le même nombre, sauf que vous n'avez pas le boost euh, de taux de drop avec des murs et puis euh, Evil eye mais néanmoins vous avez vu, vous avez quand même les pour moi là, c'est le là, ici un petit peu là, les euh, meilleurs tanks et la soigneuse ici. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de, de choper d'un anime, machin un truc et tout ça. Et puis, bon, bah, dans chaque compte différent, soit j'avais une albédo armure, j'ai une albédo armure dans un compte, j'ai un cositus euh, sur un compte, j'ai lui euh, dans un compte, euh, elle c'est sur le compte actuel que j'ai, euh, albédo, ça, ça. Et puis, je crois que j'avais un compte, euh, ça, ça sert à rien, hein, voilà, j'ai un cositus aussi. Et, euh, et puis voilà, je dois avoir un Gaza et tout ça, quoi. Mais voilà, rien de bien important. Mais vraiment, ce que vous devez essayer de choper, peu importe le portail, c'est euh, Albedo. Lui, ces deux-là, essayez d'en choper l'un des deux. Ça serait vraiment très très bien pour votre team. La Chaltias, elle est pas mal, elle est vraiment bien. Mais vraiment, c'est au cas où. Si vous n'avez pas celui-là, si vous avez celle-là, eh ben, gardez-la. Gardez-la. Mais c'est vrai que si je devais remplacer, si je vais choper euh, Albedo et celui-là, je dis H la Chaltias. Clairement, je dégage la c'est même si tous les trois sont euh, de couleurs différentes. Et vraiment, ça pourrait avoir une super tank team si tu les mets les trois euh, dans, dans une team. Puisque vous savez que vous pouvez présé présélectionner et enregistrer vos teams. Et vraiment, la soigneuse, je l'ai sur aucun compte. Et ça, ça m'embête un petit peu. Donc voilà un petit peu les recommandations. Après, vous avez les, euh, euh, les portails. Euh, comment ça s'appelle Carte support, ça c'est un petit peu autre chose. Donc les cartes support, vous les mettez sur vos personnages. Donc moi je les mis sur tierce Donc j'ai celui-là. Et sur celui-là, ça fait augmente la défense de 3% pour 5-15% de vie perdue. Maximum 12%. Donc ça, ça peut être intéressant puisque tierce est un personnage qui doit tanker. Donc la carte support que je lui ai mis dessus est très intéressante. En plus, vous gagnez 766 de vie. En attaque 72, et vous gagnez 5% de défense. Et en plus, je peux euh, booster la carte, puisque en fonction du niveau principal que vous avez, vous pouvez booster un petit peu les cartes support et un petit peu les personnages que vous avez. Donc voilà un petit peu. Et aussi, n'oubliez pas de débloquer aussi, euh, de monter aussi les, euh, comment ça les compétences. C'est très très important. Vous avez des passifs euh, et tout ça. Et ça, pensez vraiment à les débloquer parce que ça fait toute la différence. Par exemple, sur celui-là, eh ben, va convertir 50% des dégâts euh, faits par euh, compétences en HP pour Shell Tiers. Donc, ça, c'est très très intéressant. Donc, d'ailleurs, ça, je vais le débloquer. Ça, c'est clair pour Shell Tiers je la débloque. Ça, c'est un truc qui va être très, très intéressant. Après, vous voyez au niveau 3 les dégâts euh, équivalents à 35% d'attaque plus 6% de votre vie. Donc, c'est-à-dire que je gagne 6% de vie. Donc, non seulement elle tank, mais en plus, elle peut se régénérer. Et ça, vraiment, c'est cool. Donc, pensez vraiment à chaque personnage euh, de vérifier si vous pouvez débloquer euh, des compétences. Donc, normalement, si vous avez des compétences à débloquer, vous avez une étoile qui est là-haut, normalement. Je vais vous montrer sur d'autres personnages. Voilà, vous avez une étoile comme ça. Et ça, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez euh, soit monter euh, des étoiles ou vous pouvez monter euh, les compétences et tout ça. Moi, tous ces autres personnages-là, personnellement, je ne les monte pas. Je vous co conseille de monter vraiment que les SSR. Et vraiment, si vous n'avez pas d'autres soigneuses, à la, je crois qu'elle s'appelle Rainer, et ben, montez celle-là. Franchement, celle-là, Henry, c'est pour l'instant la meilleure soigneuse. Ce n'est pas la plus rapide, mais elle fait le café. Elle fait vraiment le café. Et euh, vous le voyez même au niveau à la, la fin du tuto. Vous allez voir que quand vous l'avez, bah, elle permet de faire tanker quand même la team. Ensuite, vous avez pas mal de choses que vous pouvez débloquer euh, au niveau du jeu. Vous avez par exemple le raid. Vous avez le raid que vous allez débloquer à un moment donné. Donc le raid, il faut le faire. Donc euh, faites des combats. Donc par contre, je crois que c'est une fois par jour, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça dure, alors je crois que c'est toutes les semaines, si je ne dis pas de bêtises, vous, gale, vous allez gagner des ressources qui vous permettront d'aller euh, justement euh, dans un shop où vous allez pouvoir acheter pas mal de trucs. Alors attention, parce que euh, le raid, d'après ce que j'ai compris, il y en a certains qui sont arrivés à certaines difficultés et ça pique. Ça pique vraiment et c'est là que vous allez devoir gérer votre team. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très très important d'avoir des DPS. C'est clair que c'est bien parce que ça vous permet de taper. Pensez quand même à avoir des personnages supports, parce que les supports, c'est ceux qui vont vous permettre de faire tanker votre team. Et pensez à avoir au moins minimum un soigneur. Parce qu'au début, vous vous en foutez parce que c'est peut-être facile ou un truc comme ça. Mais plus la difficulté va monter, plus vous allez avoir besoin de ce genre de personnages-là. Et vous allez voir que c'est très utile même d'en avoir deux. Ça va être même très utile d'en avoir deux euh, dans la team. Ensuite. Quand vous allez arriver, seulement quand vous allez arriver au niveau 35, vous allez débloquer le Supreme One Mode. Le Supreme One Mode va vous permettre d'obtenir déjà, de booster le passif de Ends Gold. Parce que vous savez que Ends Gold, alors Hans All, ou Gold ou Ends Gold ou je ne sais pas quoi, Ends vous le savez, au tout début, le seul truc qu'il a, c'est l'espèce de doigt euh, éclair qu'il fait. Et puis, il peut le faire aussi en support avec Albedo. Mais vous pouvez en débloquer d'autres. Donc ça, pour le faire, vous allez euh, un petit peu euh, sur le livre. Au tout début, vous allez avoir un tutoriel où vous allez euh, débloquer. Vous allez avoir un arbre que vous allez euh, débloquer et tout ça. Et ensuite, donc là, vous voyez, au niveau 36, je vais pouvoir débloquer autre chose. Et ensuite, après, là, vous allez pouvoir débloquer des euh, compétences euh, actives. Donc ça, vous le savez, vous avez celui-là au tout début. Ensuite, celui-là, vous pourrez le débloquer. Et celui-là aussi, je vous le dis, hein, moi je suis au niveau 35 et j'ai pu débloquer ces trois-là. Ensuite, vous pouvez choisir... Qu'une euh, qu compétence passive. Moi, j'ai choisi celui-ci. Quand Hans entre dans la bataille, on peut gagner 10 points d'action. Sinon, sur celui-là, c'est à chaque fois qu'il y a une unité qui meurt dans le combat. Et ben vous gagnez 3 d'action. Ben, à la limite, autant prendre celui-là. Après, vous en avez d'autres que vous pouvez débloquer, bien sûr. Ça va booster les dégâts. Mais ça, vous voyez, euh, level up the euh, supreme tout to level 34 ou à de ce skill. Donc je pense qu'il faut monter quelque chose pour pouvoir le faire. Ensuite, là. Euh, alors, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais ça, c'est un truc qui va poser problème, c'est ces ressources-là. Il vous faudra des ressources comme ça. Et euh, là, on ne peut pas voir les autres pour pouvoir euh, monter de niveau euh, les compétences euh, de Ends euh, Hall. Et ça, ça va poser problème. Pourquoi Parce que j'ai remarqué qu'il y a des ressources. Alors, je vais vous montrer, il y a des ressources euh, ici. Par exemple, vous allez voir ça. J'ai débloqué, par exemple, le suprême moine. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a déjà des récompenses. À chaque fois que vous allez faire une invocation, eh ben, euh, ça... alors, par exemple, celle-là, elle est gratuite. Donc, je vais la faire. On va voir ce qu'on va gagner. On a gagné un sac de pièces d'argent. C'est là que je peux récupérer déjà 50 petits cristaux. Ça, c'est cool. Mais, par contre, si vous voulez invoquer là-dessus il va falloir passer par la boutique et regarder quand même les prix. Déjà 16 balles pour avoir une multi. On est d'accord C'est énorme. Attendez, ce n'est pas fini. On retourne là-dedans. Là, là c'est pareil. Vous avez des pièces aussi ici. Les pièces, si vous voulez les obtenir, il faut passer à la caisse aussi. Donc là, vous voyez, voilà, bon, j'ai pris celle qui était gratuite par jour. Mais vous voyez, bon, vous avez des ressources pour quand même invoquer, mais euh, ça fait quand même cher. Et là, pour l'instant, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que je viens de débloquer euh, ce mode-là et euh, un petit peu euh, le euh, mode Supreme One. Mais au fur et à mesure, je vais voir ce que ça va donner. Si ça me demande de payer pour monter euh, les stats, eh ben ça va être mort. Ça va être mort parce que je ne mets pas d'argent dedans. Moi, pour l'instant, j'ai mis un euro seulement dedans et je ne mettrai pas plus. Donc ça, c'est clair et net. Donc euh, voilà. Donc là, par exemple, là, vous pouvez appliquer votre preset. Donc là, il y a un preset que vous pouvez faire, et euh, ensuite ça pourrait être intégré à votre team. Donc là, un moment, si je dis pas de bêtises, si je vais euh, là, si je vais sur lineup, voilà, c'est appliqué là. Vous voyez, là, c'est appliqué là. Et normalement, moment quand vous allez combattre, ça va être appliqué là aussi. Aussi, une chose que je n'avais pas fait attention euh, depuis le temps que je joue, vous avez la fonction capitaine. En fonction du personnage que vous allez mettre en capitaine, vous allez pouvoir avoir des buffs. Par exemple, si je mets Shaltias, quand un ennemi est, euh, est infligé euh, avec une baisse de défense, et ben, il va recevoir une peste. Donc il va recevoir des dégâts. Donc ces dégâts, il va, faire, il va faire moins de dégâts pendant un, un round. Ensuite, pour euh, Albedo, pour chaque debuff, alors des, quand on parle de debuff, c'est des malus que les ennemis ont. Tous les alliés, euh, toutes les compétences des alliés vos, des dégâts vont augmenter de 2% maximum jusqu'à 10%. Donc ça, ça peut être intéressant si vous voulez faire des dégâts. Ensuite, vous avez euh, des murs. Pendant euh, la flamme de Gehenna, donc vous allez avoir euh, la map qui, enfin pendant la, le combat, vous allez avoir la map qui va se transformer en enfer. Ça va être l'enfer, ça va brûler de partout, et eh bien ça va augmenter les dégâts de brûlure de 25%. Donc c'est en fonction des personnages que vous avez dans votre team. Et ceux-ci peuvent devenir des capitaines et vous pouvez bénéficier de boost. Ça, je ne le savais pas, je suis tombé dessus au hasard. Et il euh, n'y a personne qui a fait des vidéos pour me dire oui, il y a la fonction captain et un truc comme ça. Donc ça, ça peut être très très utile au niveau du euh, enfin au niveau des combats. Ça peut retourner une game. Hein. Ça peut retourner une game. Ensuite, vous avez des modes comme Arena. Donc l'arène. Alors, vous avez euh, plusieurs euh, combats. Alors, moi, je crois que je peux faire 5-6 combats. Après, une fois quand ça devient comme ça, il faudra payer 100 diamants pour 5 tickets de combat. Pour l'instant, je ne suis pas encore en... Comment s'appelle Je ne suis pas encore dans le rang. Mais euh, voilà, ça n'a pas tardé. Il faut que je sois à 1600 de prestige pour arriver dans le rang. Mais sinon, vous avez toujours des récompenses en fonction du classement que vous êtes et euh, ce que vous avez. Donc, ça, c'est tous les jours que vous les avez. Et après, je pense que toute la semaine, euh, toutes les semaines, vous avez quelque chose. Ensuite, vous avez les runes. Vous avez l'expédition. L'expédition, c'est pareil. L'expédition, c'est la difficulté monte très très vite. Alors, vous avez le facile. Ensuite, après le facile, bah, en fonction du chapitre que vous allez avancer, vous allez en débloquer certains. Vous avez, <coughs> excusez-moi, vous avez des charges des personnages SR. Donc c'est comme ça que vous montez justement votre albédo. Et ensuite, en difficulté, là, vous allez euh, pouvoir monter en fonction euh, pareil hein, du, du chapitre que vous êtes. Mais par contre, ça commence à se corser. Là, actuellement, ici, je suis à 7900. Donc je suis juste à 8000, je crois, sur... Euh, je, je crois, je suis, je, ouais, je suis à 8000. Je crois en team, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Non, ça ne marque pas. Ça ne marque pas, c'est quand tu lances un combat, euh, bah, 2000, 4000, 4000, 6000. Donc voilà, non, je ne suis, suis même pas encore à 7000. 2, 4, 6. Ah oui, peut-être. 2, 4, 6 et... Euh, ouais, 7000. Euh, ouais, je suis à 7700. Ouais, ouais. Parce que j'ai oublié, il y en a 4. Vous avez toujours le support, N -Go, N -N -S -O, ce, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il ne bouge pas d'ici. Hein. C'est ça qui est un petit peu dommage parce que je pensais qu'on pouvait avoir d'autres personnages. Non, vous êtes euh, toujours cinq en fait dans la team. Même pas, vous n'êtes même pas cinq. Parce qu'une fois les quatre sont morts, et bah lui, il ne sert à rien. Voilà, puisque c'est un support. Mais j'aurais bien aimé qu'on le mette là, en support, et qu'on puisse avoir cinq personnages. Peut-être dans le futur, ça sera peut-être possible, parce que c'est un petit peu le cas sur les différents jeux gacha. Mais c'est vrai que c'est un petit peu stupide de euh, bloquer euh, une place pour un personnage support puisque le support en général tu peux le mettre en fantôme donc euh, voilà donc euh, quatre personnages maximum que vous pouvez avoir dans votre team c'est pour ça que je vous ai dit si vous voulez faire une team dps prenez deux personnages dps un tank et un soigneur de toute façon il vous faudra toujours un soigneur dans votre team d'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai mis ça puisque normalement c'est elle qui doit être là et là, si vous voulez faire une team tank, vous faites un DPS. Donc, trouvez quand même un très très bon DPS et vous mettez deux tanks et vous mettez un soigneur. Dans tous les cas, gardez toujours un soigneur dans votre team parce que sinon, vous allez voir, vous allez galérer dans les grosses, euh, enfin dans les niveaux les plus difficiles. Voilà, je pense avoir fait le tour euh, du jeu. Il y a plusieurs modes. Je ne vais pas vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Franchement, tout ce que je vais vous dire. Ne gaspillez pas l'endurance parce que l'endurance se recharge, mais d'une lenteur infligeante. Quand vous gagnez de l'endurance, c'est quand vous passez des niveaux. Ou alors quand vous avez le Daily Quest et vous avez euh, de des hamburgers. Donc soit parce que vous vous connectez à telle heure, ou soit parce que voilà, vous avez ici euh, vous avez, euh, 60. Et il faut savoir que quand vous faites des raids ou des trucs comme ça, c'est 20 à 30. Donc je peux vous assurer que ça part très très vite. Et le truc le plus important, comme je vous l'ai dit. Faites les daily quests. Faites les daily quests. C'est le plus important. Il y en a qui peuvent s'ajouter. Euh, et tout ça. Et ce qui va vous permettre de monter très, très rapidement le niveau de votre compte principal. Donc, focalisez-vous sur ça. Et ensuite, avancez ici. Après là, vous allez avoir quelques défis euh, débloqués. Alors, euh, avoir euh, des reliques. Euh, esti euh, pas Estia, mais euh, en bronze. Euh, euh, et tout ça. En argent et tout ça. Vous allez avoir pas mal de trucs chants comme ça. Donc, ça faudra le faire à un moment donné, mais pensez à le faire avec économie et parcimonie parce que vraiment, l'endurance, vraiment, ça se recharge lentement. Et puis moi, façon moi le mien, là, il ne se rechargera pas puisque j'ai passer le cap. Le cap est de 200. Donc quand vous dépassez le cap, ça ne monte pas. Donc le but est vraiment de dépenser votre endurance jusqu'à que voilà, il soit en dessous du level cap. Sinon, vous ne gagnez rien. Et après, comme je vous l'ai dit, quand vous allez gagner le niveau, vous allez avoir un surplus au niveau euh, de l'endurance. Voilà un petit, un petit peu mon ressenti au niveau du jeu. Pour l'instant, le jeu, on va dire que ça occupe peut-être pas une heure, pas une heure, hein. moi pour moi, euh, <coughs> si je fais euh, tout tous les jours, ça me fait occuper, mais ça ne me fait pas passer énormément de temps, mais j'ai la crainte que ça finisse un petit peu comme qui est bien. Et euh, One Punch Man, hein, des, des, des licences fortes, mais euh, <coughs> ternies par des jeux mobiles où euh, ils pensent qu'à bouffer le Enfin prendre le pognon des gens et après se casser avec et refaire encore sur d'autres licences. Donc Crunchroll et A Plus Japan. Alors on va dire plus A Plus Japan, puisque Crunchroll c'est celui qui diffuse un petit peu les mangas. Mais c'est vrai que c'est pas bien de... Enfin, c'est une erreur pour eux d'être partenaires avec Crunch Roll, parce que euh, non, avec euh, A++ Japan je voulais dire, parce que A++ Japan ne fait que de la merde, Donc, franchement tout le monde va vous dire même Street Fighter, euh, je sais plus, euh, Duel je crois un truc comme ça, c'est une merde sans nom aussi euh, au début tu t'amuses mais après tu vois que c'est vraiment pay to win et euh, voilà, les gacha games à la base vous devez avoir la liberté de pouvoir euh, avoir ce que vous voulez euh, librement mais avec de grosses difficultés puisque si, c'est vrai que si tu payes tu l'as plus facilement mais c'est vrai qu'après si tu peux l'avoir gratuitement tu prends ton temps, tu t'en fous, surtout si, voilà, tu es une fille de famille, tu travailles ou un truc comme ça, tu peut-être pas forcément de temps, et ben c'est sûr que, voilà, tu auras tout ton temps pour quand même choper les trucs. Tu te diras, je me suis crevé le cul, mais j'ai pas mis de sous dans le jeu. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de mettre un euro pour avoir la chale-tire, parce que la chale-tire euh, classique fait quand même son café, elle fait quand même le taf, même si elle ne vaut pas la chale-tire euh, armure, mais. Voilà, pour 1€, je pense qu'on ne va pas pleurer. Pour 1 euro, c'est rien du tout. Que de dépenser des 10, des 20, des 30, des 40, voire même des gens qui dépensent des 100, des 200 euros euh, dans certains jeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, que je vous ai un petit peu détaillé ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Je n'ai pas fait d'invocation parce que pour moi, j'ai une box qui est très très intéressante. Mais comme vous le voyez, le portail euh, de euh, des Myurges et de evil eye va partir. Et je m'attends quand même à avoir quand même de très très bons personnages quand même, euh, qui vont les enfin qui vont les remplacer peut-être des nouveaux, voire peut-être des personnages plus intéressants, par exemple la soigneuse, ou éventuellement l'albédo armure, ou voire le chevalier gris en armure. Voilà, donc je préfère économiser et pas faire n'importe quoi. Et je vais toujours quand même garder de côté une petite multi ici pour éventuellement récupérer le cositus parce que le cositus, franchement, il fait le café. Voilà, il fait vraiment le café. Mais voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que je vous ai quand même bien aidé Est-ce que je vous ai bien été utile et tout ça Sachez que je ferai des vidéos régulièrement sur le jeu. Quand il y aura des sorties de bannières, je pense que je garde des ressources pour pouvoir invoquer en vidéo bon j'aimerais bien aussi qu'ils change quand même les animations parce qu'on a une animation et l'animation et eh ben, des fois on peut pas savoir quand on a quelque chose moi je pensais que comme dans le tuto quand tu avais un chiffre qui s'ajoutait au niveau de ta box donc enfin, quand tu quand tu as des personnages tu as ta box qui peut augmenter je me suis dit, tu as un personnage. Pas forcément. Donc, il faut faire l'espèce de dessin avec la constellation. Tu pas obligé de le faire. Mais euh, voilà, on aimerait bien avoir un truc pour skip. Et c'est vrai que tu ne peux pas le skip, ce truc-là. Tu es obligé de le faire manuellement. Et c'est une fois que tu as fait ton dessin que là tu peux skip. Ce serait bien de pouvoir le skip avant. Ce serait quand même bien, ça nous ferait quand même gagner du temps, surtout si tu as beaucoup de ressources pour invoquer. Voilà. Écoutez, moi je vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À like la vidéo. Et surtout de ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. Écoutez, moi je vais vous laisser. passer un très très bon dimanche. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur... Love of Nazareth. Allez, ciao, ciao